Bonsoir et bienvenue à cette édition du sommaire. Plusieurs décisions sont issues du Conseil des ministres de ce mercredi 2 février. Des précisions dans cette édition. Fermeture de plusieurs universités privées dans les départements de Littoral et de l'Ouémé, une décision prise par le directeur de l'enseignement supérieur. La situation est sous contrôle en Guinée-Bissau. Telle est la déclaration faite par le président Ambalo ce mardi soir à la presse. Bonsoir. Sous la présence du chef de l'État, Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises ce mercredi 2 février en Conseil des ministres au titre des mesures normatives. Il y a entre autres approbation des statuts de l'école de formation des professions judiciaires et approbation des statuts de l'agence pénitentiaire du Bénin. En ce qui concerne les communications, il a été décidé de la mise en œuvre des plans d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux prioritaires du programme d'adaptation des villes au changement climatique. Pour les mesures individuelles, il y a eu des nominations au ministère de la Justice et de la Législation ainsi qu'au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Autre actualité dans cette édition, la police a libéré plus de 50 fidèles de la secte Azaël ce mardi 1er février. Selon Frisson Radio, ils recouvrent leur liberté mais ne sont pas tirés d'affaires car les enquêtes se poursuivent. Ces derniers doivent bénéficier d'une prise en charge psychologique dans un centre social selon le maire de la commune de Savalou. Il faut rappeler qu'ils étaient en détention au commissariat suite aux affrontements qui ont fait 9 morts, dont 2 policiers le week-end écoulé à Gokandji, à Savalou. Les mutations à la police républicaine se poursuivent. Dans un message en date du 1er février 2022, le directeur général Soumaïla Yaya a procédé à la mutation de 7 agents de la police. Ces affectations concernent des agents anciennement en service à la direction départementale de la police républicaine de la Donga au commissariat frontalier de la police de Igolo, de Bogobogo au commissariat d'arrondissement d'Ifoni, de Doumé et Kandi. Selon le message, les agents mutés doivent rejoindre au plus tard leur nouveau poste vendredi 4 février prochain. Certains parents imposent un métier à leurs enfants. Ils les orientent vers des filières qui parfois ne sont pas de leur vocation. Plusieurs raisons peuvent être à la base de cet état de choses que certains citoyens de la ville de Cotonou qualifient de mauvais choix. Ils sont au micro de Francis Farami, Kanté Amoussou. Vous savez, c'est de l'ignorance. On ne peut pas forcer un enfant à choisir un métier ou forcer un enfant à faire telle filière ou autre. Il faut voir les capacités, les aptitudes de l'enfant, pédagogiquement parlant. On ne peut pas apprendre un littéraire pour dire qu'il va devenir scientifique. Il va passer assez de temps sur les bancs. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut laisser l'enfant développer ses capacités intellectuelles. Pour choisir un métier, cela ne doit pas être fait par les parents. Voilà, parce qu'il faut d'abord avoir l'amour du métier. Il faut avoir les compétences pour y arriver. Voilà, donc si les parents obligent leurs enfants à faire par exemple un métier que l'enfant lui-même ne veut pas, non seulement il n'y a pas la volonté, il n'y a pas l'amour, peut-être même l'enfant n'est pas compétent et vous voulez qu'il fasse ce métier. Moi je crois qu'il revient à l'élève ou bien à l'étudiant de prendre un métier ou bien de faire un métier qui est bien où lui-même il croit qu'il peut réussir ce métier. Il faut souvent le laisser faire ce qu'il veut. Parce que ça sera par amour, la vocation. Parce que chacun a une vocation, ce qu'il désire être. Bon, mais souvent, quand l'enfant est confronté à certains problèmes de choix, on peut l'accompagner pour l'aider à faire un bon choix. Il peut arriver aussi que le choix de l'enfant aussi, les parents peuvent observer que c'est un peu, ça ne sera pas très bon pour son avenir. Donc on peut essayer de le convaincre. Mais s'il insiste, on peut le laisser. Lui-même peut voir. Bon, s'il décide de faire le travail, parce que pour une évolution d'un métier, il faut de l'amour et la vocation. Parce que s'il fait son propre choix, je suis sûr qu'il va se donner à fond pour arriver à ses fins. Le choix du cœur
conduit à un bon port. Je prends mon exemple. Au collège, j'étais bien mathématique, en physique-chimie et en français. Mais l'anglais, non. L'histoire géo, j'étais bien dedans. La politique, j'étais bien dedans. Mais mon papa m'a dit, je veux que tu sois médecin. J'ai dit, niet. Je veux être dans la politique. Il me dit, ah, mon fils, jamais, jamais. J'ai dit, non, laissez-moi faire mon choix. Mais à l'époque, ce n'était pas, il n'y avait pas l'évolution comme aujourd'hui. C'est à l'école qu'on nous orientait, mais délibérément. Mais aujourd'hui, 21e siècle, laissez l'enfant faire son choix. N'imposez rien aux enfants. Laissez les enfants choisir. Et parfois, certains enfants disent, je suis fort en mathématiques, je vais faire MPC. Je dis, oh non, non. Choisissez une filière où vous allez vite rentrer dans la vie active, devenir vous-même. C'est-à-dire ne plus vivre sous la coupole des parents après le bac. Une tentative de coup d'État avorté a été relevée le mardi 1er février 2022 en Guinée-Bissau. Des tirs ont été signalés dans le centre près des institutions du pays. On note plusieurs morts, dont quelques gardes du président de la République. À en croire le président bissau-guinéen Sissoko Embalo, la situation est sous contrôle. Cette actualité suscite maintes réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. À ce propos, je vous invite à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui nous livrent leurs impressions au micro de Nocéline Fatoumbi, Atifa Olafa et Jeff Tegung. Je ne suis pas pour les coups de force. Un. De deux, la politique est la science du possible. Je crois que les chefs d'État de la sous-région doivent comprendre que ce qui est public ne doit jamais être personnalisé. Sinon, tôt ou tard, leur histoire va les rattraper. Par rapport à ce que les autorités bissau-guinéennes ont déclaré, il ne s'agit pas d'une tentative de coup d'État, mais d'une tentative d'assassinat. Parce que ce monsieur est venu il y a 3 ans, a commencé par lutter contre les narcotrafiquants. Parce que vous savez bien sûr que la Guinée-Bissau est un pays de drogue où on faisait la drogue, vendait la drogue, et on veut toujours continuer à vendre de la drogue. Et quand lui saisit la drogue, il les brûle. Manu militari. Les gens ne sont pas contents. Parce que c'est une activité illicite qui donnait beaucoup, qui était très rentable à ces narcotrafiquants. Donc il est vu d'un mauvais œil. Vous voyez. Donc il veut l'assassiner au moment où il s'est réuni pour un conseil des ministres ou une réunion politique. Donc pendant 5 heures de temps, il y a eu des tirs nourris et ces assaillants-là ont utilisé des armes sophistiquées parce qu'ils sont les maîtres de la drogue et il a pu, n'est-ce pas, avoir le dessus. Donc nous rectifions, ce n'est pas tentative de coup d'État, mais c'est tentative d'assassinat du président élu démocratiquement qui est un militaire. Encore un coup d'État en Afrique de l'Ouest, et il faut déplorer ça. Surtout pour le cas de la Guinée-Bissau, je pense que les militaires qui sont venus rétablir le président Oumaru Mbaro, ils ont bien fait. Quand est-ce qu'il est venu au pouvoir? Il n'a même pas fini son mandat. Et je pense qu'ils étaient en réunion à la primature. Vous savez, chez eux, c'est une cohabitation. La présidence et la primature, c'est vrai qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. On sait que le premier ministre et le chef de l'État ne s'entendent pas. Et surtout depuis l'arrivée d'un avion Airbus en provenance de Gambie et le dernier remaniement en fin janvier. Et ils ne s'entendent pas. Et les militaires ont voulu profiter de cette mésentente pour faire le push. Et ça a échoué. Et nous, on se réjouit parce que ce n'est pas semblable aux autres coups d'État de l'Afrique de l'Ouest.
qu'ils vous souviennent, avant la Guinée-Bissau, trois pays ont été frappés par un renversement de leur chef d'État. D'abord le Mali, le 18 août 2020, ensuite le Burkina Faso, enfin le Mali, il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina Faso et aussi la Guinée le 5 septembre 2021. Donc c'est dire que les hommes, enfin les militaires pour être plus précis, ont tendance à s'emparer du pouvoir par la force, c'est-à-dire par la voie des armes. Enlever ou renverser des chefs d'État qui ont été démocratiquement choisis pour diriger les pays africains. C'est un syndrome qui étend ses tentacules hein, dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest et ça n'est pas de nature à assurer le développement d'un État. Mais au moins, il a tenté, après une semaine. Peut-être que le groupe de Mélène a l'écoute, vous l'avez préparé, il est bon à voir. Il va vous dire que vous avez des blagues pas. Donc, il y a un bouquin à ton mot, ouais. Bon, non, une semaine après, il y a eu réussi. Donc, nous, mon compte, on a eu le GPS. Mais nous, on voulait, il y a eu FIFA. Je ne sais pas, il y a eu FIFA. Il y a eu le GPS, mais il y a eu le GPS. Parlons de la tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, selon certains citoyens béninois, le mauvais vent, qui souffle dans la sous-région ouest-africaine est dû à un non-respect de la parole donnée et à la mauvaise gestion de la chose politique. Ils sont toujours au micro de Nosirine Fatoumbi, Atifa Olafa et Jephté Rougué. Un coup d'État, c'est vrai, parfois c'est salvateur. Quand on assiste à des dérives, des violations de droits humains, mais quand ça prend des proportions exagérées, il y a de quoi s'inquiéter et se poser mille et une questions. J'espère que le chef de l'État bissau-guinéen arrivera à contrôler véritablement la situation pour ne pas subir la loi de ces militaires-là. Parce que récemment, on aurait pu assister à un coup d'État aussi au Niger, avec le président Mohamed Bazoum. Ben, heureusement, il a été assez ferme et il n'a pas été renversé. Bon, on espère que le calme va revenir sur le territoire bissau-guinéen pour qu'il n'y ait pas effet boule de neige dans cette région du continent africain. Nous avons notre coup d'État à Wayoyete. Nous comptons à Rougan. C'est des sons tout autant que nous. Oui, on a des dieux tout, mais on a tout et du roi et du roi. Et le monde, coup d'état, où l'on voit. Nous, mais la paille, oui. Baro mandat, tout nous contrôle, mais Gabriel, oui, comme un foie tout. Et rien, le coup d'état, oui. Donc, nous, coup d'état, alors par l'aîné. Donc, à part les bouffées, et là, ça va tout, tout vieux. Tout vieux, soit une des bois. C'est-à-dire, mais derrière, quand nous avons un vent, mais derrière, il manque Berouto, mais un Jésus-Christ Nazareth, il tombe. Bon, mais dorme, il dort. Et le roumain au roux, et le bleu, bon, mais les sorties, et le monde, nous roumains à Saint-Ovila, il y a titre, il y a rien avec bonheur, mais il y a un grand citoyen. Comme beaucoup d'états, nous donnons l'île, les rondiers, mais pas les pédés, et que ce soit Guinée-Conakry, Mali, Burkina, bientôt le Niger, et les autres états, je dis, là c'est Diao. En tant qu'institution qui se dit institution et qui proclame des sanctions qui ne seront même pas respectées. Alors là, je dis bien, attention, il y a aussi la mauvaise politique métropolitaine de la France. Ce n'est pas
une panacée. Ce n'est pas une fatalité. Mais si nos États continueront à être gouvernés comme ce que nous vivons, ce que nous voyons, ce que nous subissons, l'armée prendra, les armées de la sous-région prendront chaque fois leurs responsabilités. Vous savez, ce sont des mésententes. Les gens profitent des mésententes pour venir. Et c'est les politiciens qui ne s'entendent pas. Et vu le vent de coup d'État qui souffle dans la région, ils ont profité. Et, mais c'est un coup d'État qui est impopulaire. Ce n'est pas apprécié des populations et même de la plupart des militaires. C'est pourquoi ça a été vite rétabli. Donc ce coup de push, ça devait échouer. Nous sommes au 21e siècle. La France doit comprendre et changer de fusil d'épaule. Mais elle ne le fait pas. C'est la même politique des années 50 jusqu'à aujourd'hui qu'elle pratique. Non. Regardez le cas du Mali. Aujourd'hui, le coup qui a échoué là, c'est un coup qui a été avorté. Moi, je ne dirais pas échoué, mais avorté. Pour le moment, parce que les militaires reviendront. La gabegie financière existe là-bas aussi. Vous savez que pour accéder au pouvoir présidentiel, il faut emprunter la voie normale, ce sont les urnes. Et qui parle d'une, parle d'élection. Alors, quand on s'empare des armes pour s'installer au pouvoir, c'est que on a escaladé le mur. C'est une caricature que je fais comme ça. On a escaladé le mur pour aller dans une maison. Vous voyez, le portail étant pourtant bien présent, on a préféré escalader le mur, c'est-à-dire contourner les dispositions d'ordre constitutionnel pour s'installer. Ben, parfois, un coup d'État est salvateur. Un chef d'État qui martyrise son peuple, qui devient un véritable bourreau, un os de la gorge de ses concitoyens, mérite d'être délogé, manu militari, pour que la paix s'installe. Même si le chef d'État-major général est plus fort que tout, il y aura des jeunes capitaines qui vont dire « assez ». Ces colonels à divers postes de responsabilité le savent. Ils sont tous sur la braise. Tôt ou tard, le peuple reprendra ce qu'il t'avait donné, soit par les élections, soit par un coup de force. Et c'est ce que nous vivons dans la sous-région. On dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Mais eux autres, ils ne peuvent pas préparer la guerre puisqu'ils sont déjà atteints. Là où ils sont, ils savent, du fond de leur cœur. Quand vous pressurez le peuple, vous violez les droits de l'homme, alors là, attendez-vous à des répercussions. Les militaires viendront. Les coups d'État constitutionnels appellent forcément les bruits de bottes et les coups d'État militaires. La raison, c'est d'abord la mauvaise gestion des gouvernants. Quand ils sont portés à la tête ou au sommet des États, c'est pour résoudre les problèmes de la masse, de la communauté. Et non, leurs problèmes à eux. Ils viennent au pouvoir avec de belles intentions, des discours mielleux, doucereux, des promesses de Gascon, mais par la suite, ils se métamorphosent négativement, ils deviennent le bourreau des peuples et c'est mal vu par des militaires. Il faut que les dirigeants revoient leur copie et s'intéressent vraiment au développement de leur pays, eh bien, qu'à leurs intérêts égoïstes et partisans. Parce qu'un coup d'État, ça n'est pas la solution qu'il faut pour les pays africains pour se développer et atteindre le développement. La démarche compétences et la culture entrepreneuriale dans la formation supérieure agronomique est devenue une réalité grâce au projet BioValor à l'Université d'Abomey Calavi, fruit de la coopération entre le Bénin et la France dans le secteur de l'enseignement supérieur. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique évolutive et est coordonnée par la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey Calavi et l'université de Lorraine avec le soutien financier de l'Agence française de développement. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Larius Adiagoun. La faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey Calavi et l'université de Lorraine se donnent la main pour assurer une formation de qualité aux étudiants et cultiver l'esprit entrepreneurial dans le domaine de la bioéconomie à travers le projet BioValor.
focalisée sur la valorisation des bioressources, des bioprocédés et des bioproduits, le projet BioValor, j'en suis sûr, nous permettra de renforcer la démarche compétence dans les différentes filières de formation du système LMD de la Faculté des sciences agronomiques. Promouvoir la culture entrepreneuriale et l'esprit d'innovation afin d'encourager les étudiants à entreprendre et ainsi faciliter leur propre insertion professionnelle. L'Université de Lorraine est très fière et très heureuse d'être le porteur français du projet BioValeur que nous lançons aujourd'hui. Et ce, à plusieurs titres. D'un coût global d'environ 2 milliards de francs CFA, BioValeur est une initiative soutenue par l'Agence nationale de la recherche et financée par l'Agence française de développement AFD. Il vise à contribuer au développement durable de filières agroalimentaires pour une alimentation saine avec un impact environnemental positif. C'est un projet important aussi parce qu'il est en plein cœur du programme d'action du gouvernement béninois, le programme d'action numéro 2, qui a été présenté précisément la semaine dernière. Et ce programme d'action fait de la transformation agricole, de l'industrie agricole et alimentaire, un pilier du développement que le gouvernement béninois entend mener dans les prochaines années. Le projet BioValeur s'inscrit dans la nouvelle vision prônée par le gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Faire des universités des unités de production pour le développement du Bénin. On ne peut plus continuer de former comme nous formions. Pas parce que nous sommes en manque d'inspiration, mais simplement parce que nous avons les réalités en face de nous et que nous devons pouvoir trouver des solutions à tous les diplômés que nous libérons chaque année. Le Bénin d'aujourd'hui a besoin d'hommes pratiques, utilisables tout de suite dans nos entreprises, dans nos fermes, dans nos écoles, pourquoi pas. Et c'est pour cela que je salue l'initiative. La cérémonie du lancement officiel du projet BioValeur s'est déroulée au campus d'Abomey-Calavi en présence des membres de la communauté universitaire, des étudiants et des partenaires. Une fois et une table ronde des acteurs des interprofessions des filières telles que Anacad, Riz, Cisseret, Le Fonio et Le Qualité ont été organisées en marge de l'événement. Le Golden Tulip Hotel de Cotonou a accueilli la 4e édition du défilé de mode intitulé Avant Fashion Réception le 29 janvier dernier. Le gratin de la création et de la mode béninoise s'est donné rendez-vous pour célébrer le percale Made in Benin. 12 jeunes créateurs épaulés par 4 aînés ont magnifié cette toile pour le bonheur des mannequins et du public. Le reportage est signé Carles Kitomi. Le gratin de la mode béninoise s'est donné rendez-vous au Golden Tulip Hotel de Cotonou le samedi 29 janvier dernier pour la 4e édition de Avo Fashion Reception. Le promoteur Bienvenue Badou s'est étendu en gratitude et a distingué certains acteurs qui ont marqué la vie de cet événement national. Moi, pour cette année-ci, je souhaitais quand même remercier certaines personnes qui ont toujours été là pour moi et qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours dit « Ne lâche pas la veille, on est toujours derrière toi ». C'est le lieu vraiment de dire à ceux-là qui n'ont pas souhaité que je... Dans le même moment, ils se connaissent. Je voudrais le dire officiellement devant tout le monde. Vraiment, merci. Je demande à tout le monde de pouvoir les applaudir. Je veux également dire merci à toutes ces personnes parce que.
que depuis la première édition, on avait fait un pari. Et chaque année, je reviens toujours pour dire aux gens, tout ce que moi je veux, tout ce que je souhaite, c'est que dans nos garde-robes, de façon respective de chacun, qu'on puisse avoir 2, 3, 4 tenues issues de nos tissus. Surpris, les récipiendaires ont exprimé leur émotion. J'ai l'habitude de tenir le micro maintenant. La surprise est tellement belle, j'en perds mon verbe. Je voudrais remercier Bienvenue pour tout ce qu'il fait pour la mode béninoise, pour la culture béninoise. Rendez-vous en 2023 pour l'édition internationale de ce défilé de mode qui a reçu pour cette année 16 stylistes béninois. Hors du Bénin, la situation est sous contrôle, a déclaré le président Ambalo ce mardi soir à la presse. La situation a été très confuse ce 1er février 2022 à Bissau, entouré du premier ministre, du vice-premier ministre et du ministre de la Justice. Le président guinéen Oumarou Sissoko Ambalo a remercié les forces de défense et de sécurité du pays d'avoir empêché le coup d'État qui constitue une atteinte à la démocratie. Pour rappel, des tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays. Des détonations ont provoqué un début de panique. La CEDEAO a condamné une tentative de coup d'État. Sport à présent, après un parcours sans faute en Ligue professionnelle de football, ASVO FC s'est qualifié pour la Super Ligue Pro. Maxime Coco, sociétaire de ASVO FC, a exposé le bilan de son équipe au micro de Colombe Oussou. La force de ASVO, c'est un groupe uni, un groupe solidaire. C'est bien vrai que c'est un peu un mélange de beaucoup de diverses origines, parce qu'on a des étrangers aussi. Ça a été une famille, c'est ça, une famille. Et puis, tout a été simple. Et il y avait la détermination, l'engagement, l'envie de gagner. Il y a eu même des matchs où on n'était pas dedans, et puis à la dernière, on m'égalisait. C'était bien. On n'a pas eu à beaucoup marquer lors de match de la Ligue Pro. Bah bon, on a eu la meilleure défense. On a fait 15 matchs sans défaite. On a eu une seule défaite lors de la dernière journée de la Ligue Pro. Donc, ça a été un bilan vraiment positif pour ASVO. Pour nous, les joueurs de ASVO, pour cette phase de Ligue Pro. Bon, personnellement, je ne suis pas trop content de moi. Parce qu'en étant joueur offensif, je suis appelé à être décisif, ce qui n'a pas été le cas lors de cette phase de Ligue Pro. Dans tous les cas, je ferai tout pour corriger le tir lors de la Super League. Marquer beaucoup plus, faire beaucoup de passes décisives, bref, être beaucoup plus décisif lors de la Super League. Toujours dans cette édition, l'équipe de l'armée béninoise Adidja FC a réussi l'exploit de se qualifier en Super Ligue professionnelle à l'issue de la dernière journée de la Ligue professionnelle où elle a terminé quatrième de la zone C. Le capitaine de l'équipe de Adidja SC, Biaou Abdoul Adamou, s'est exprimé au sujet de cette qualification. Il est au micro de Anaël Do. Parce que, vous voyez, ça fait 28 ans, disons pratiquement, que l'équipe est en train de jouer la D2 sans jouer la Super League. Près de 28 ans. Et vous voyez, depuis ce temps, aujourd'hui, qu'on dise qu'au moins Adidja est qualifié, c'est que ça, c'est la fierté de tout le monde, de tout l'armée, vous voyez. Donc tout le monde était vraiment content et on est vraiment fiers qu'on dise aujourd'hui que Adidja est qualifié pour la Super League. Bon, le bien, c'est que quand on a commencé, ça ne marchait pas pour nous. Mais nous n'avions pas baissé les bras, on travaillait. Et c'était un match on perdait, c'était un match on gagnait. Mais il s'avérait que ça nous restait 3 matchs.
où nous avions fait des calculs, on s'est dit que si on prend, on avait 13 points. On s'est dit que si on prend les 9 points, c'est sûr que ça peut marcher. L'essentiel est que ça marche ou pas, on doit prendre les 9 points. Que les autres équipes échouent, ça peut nous avantager. Donc on prenait des risques. On disait qu'on va gagner ces matchs, qu'on soit qualifié ou non. Donc voilà comment nous sommes mis sur l'alliance. Donc on a pris les choses sérieuses. Et comme ça, là, ça a marché pour nous. Donc on avait gagné 2 matchs. On avait 19 points. On s'est retrouvés, on a compris que tous ceux qui nous suivaient, ceux qui sont devant nous, ne nous dépassaient pas assez de points. À peine 2-3 points. Donc quand on a gagné les 2 matchs, on s'est retrouvés devant eux. On a sauté presque 3 équipes qui avaient 18-18, nous on avait 19. Maintenant la dernière journée est qu'on doit gagner aussi pour avoir 22 points pour être qualifié. Donc voilà ce que les calculs que nous avions fait et ça a marché pour nous. L'objectif c'est que nous on ne le fait pas si aujourd'hui on va travailler dur pour se retrouver dans les 2 premiers. Pourquoi pas représenter le Bénin pour la Ligue africaine. Donc nous allons travailler et ce n'est pas par hasard qu'on s'est qualifié pour la Super League, c'est parce qu'on a travaillé. Donc on va continuer toujours à travailler, on va croire que nous puissions mieux faire. Je vois que nous avions les moyens parce qu'actuellement, Adidas ne doit à aucun joueur côté salaire, côté prime. Les dirigeants, ils font de leur mieux, ils payent, ils ont tout payé. Donc je crois que nous n'avions pas de problème pour le moment. Le football, c'est la même chose partout. Vous comprenez, donc nous allons travailler, on va écouter les conseils des coachs. C'est comme ça va se jouer, on va gagner les matchs. Parce qu'il n'y a pas une différence dans le football. Ça dépend de la manière dont tout le monde joue et c'est comme ça. On a les vidéos des autres équipes. Vous comprenez, on a les vidéos, donc on va étudier aussi et connaître aussi comment, quel est le système de jeu que les autres aussi jouent comme ça, comme ceux-là aussi vont le faire de notre côté. Donc c'est comme ça que nous allons arriver à nos objectifs. Le joueur qui cumule à la fois ses fonctions d'homme de l'armée et de footballeur de l'équipe de Adidas FC a dévoilé ses ambitions pour le football. Suivez-le au micro de notre reporter. C'est vrai, moi je suis de l'armée. Et je suis venu, je jouais pour les militaires organisaient des compétitions où je jouais. C'est de là que, bon, moi j'ai été chopé et j'ai commencé par jouer pour Adidas depuis 2016. Donc j'étais capitaine depuis 2016 jusqu'à ce jour. Donc je suis de l'armée, c'est ma maison, c'est mon équipe, c'est pour moi. Donc moi je ne peux que jouer là, je ne peux pas aller quelque part parce que c'est mon job. J'essaie de gérer parce que quand je ne suis pas à l'entraînement, je suis au boulot. Quand il y a des choses que je dois régler pour l'équipe, je le fais. Tantôt, je suis à l'entraînement, je finis, je vais au service. Je finis le service. S'il y a des trucs que je dois gérer aussi aux côtés des joueurs, je le fais aussi. J'essaie de gérer à ma manière. Je fais ça, je planifie mon plan. Donc, c'est comme ça que j'essaie de gérer. Je ne joue pas pour rester à Adidas seulement. Si aujourd'hui, je trouve un club, par exemple, à l'extérieur, je peux partir. Rien ne m'empêche de quitter Adidas. Il y a des joueurs qui sont des hommes en uniforme dans les autres pays qui jouent. Ils sont des policiers, des militaires qui jouent. C'est pour servir la nation. Même si je suis en tant qu'homme en uniforme, je sers aussi la nation. Donc, si je vais aller jouer aussi, c'est pour servir aussi la nation. Donc, il n'y a rien qui est comme problème là. Si quelque chose arrivait, une chance sourire pour moi, je vais aller sans problème. C'est tout pour la page sportive et c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Agréable soirée à toutes et à tous.